Avec les événements de Londres et l'empoisonnement sur un banc en Angleterre d'un ex-espion russe, l'espionnage est à la mode aussi dans les publications éditeurs. C'est le cas des éditions Talendier qui publient de Jean-Christophe Notin, Le Maître du Secret. Qui était ce maître du secret? Il s'appelait Alexandre de Maringe, il est mort il y a maintenant plus de 20 ans, mais il avait publié en son temps un livre qui a été un best-seller, toute catégorie de conversation avec Christine Ockrent, qui s'appelait Dans le secret des princes. Alexandre Maringe a dirigé les services secrets français sous Pompidou et sous Giscard. C'était un personnage flamboyant d'une autre époque, d'une autre génération, un peu un Machiavel qui avait sa part de secrets, sa part aussi de légende et de mythomanie. Jean-Christophe Notin retrace tout ça dans un livre passionnant qui va vous donner envie de vous plonger dans l'histoire insolite des services secrets français.